Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur GTA 4, l'épisode 3. Bah attendez, j'ai un coup de téléphone de Roman. Non. Bien, on verra plus tard, on va essayer d'avancer un peu dans le jeu déjà. Et on verra par la suite. Tu peux maintenant faire des activités avec Roman et travailler pour lui, rappelle-le pour lui proposer une autre activité ou peut-être qu'il te contactera. Bah, faut savoir que ça a une importance hein, dans GTA 4 d'ailleurs, le fait de prendre des nouvelles de ses amis, ses cousins et de sortir un peu avec eux. Ça permet de débloquer des choses, ou de pas en débloquer d'ailleurs, tout dépend ce qu'on fait. Enfin bref, voilà, j'espère que l'épisode 2 vous avait plu, on a eu un peu d'action. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne maintenant. J'ai un correspondant inconnu, qui c'est ça, je m'en rappelle pas. Yoko. Ah, c'est Vlad, ok. Vlad, name doesn't ring any bells, I'm sorry. You better start remembering important people, you dumb peasant. Your cousin owes me a lot of money. If you don't want to make things real difficult for him, you are going to come to Comrade's bar in Mohawk. I have a work for you. Ok, boulot. Ah bah, regardez. Ouais bah. On va bosser pour Vlad, c'est juste en face. Comme ça, on avance. C'est parti. Bull in a China shop. Ah fuck you! You're a bunch of pussies and fags. Nice. I'm going back to the meeting. Good. I'm going to be somebody. Yeah, yeah. See you later, Mel. You always were an asshole, Mickey. Hey, watch where you're going. Hey. Hey. I tried to tell you. Fuck you. Excuse me. Позвони мне когда закончишь, хорошо? So, Ivan, I see you later, okay? Yoko, fatty Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Prick. Very catchy. Sit down. Cousin... Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You're a funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. Ah, people who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not kind of person who is treated this way. Old bastard owns a China shop in the Compton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Ok. Bon, bah on va aller rendre une visite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voler cette voiture. Merci. Bonne journée. Alors c'est où? Oh, c'est un petit peu loin. Donc je pense que je vais couper au montage, hein, ça sera plus simple. Sinon on va avoir pas mal de routes. Ok, on arrive sur place. Devant le magasin. On va se mettre ici. On va rentrer. Hein. Hey, let me in. You owe Vlad protection money, old man. Big Vlad and his protection money? I so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punks like you to go away. He get no money. Bon, bah, on va aller chercher quelque chose. On va aller voir, je crois que c'est des briques. On va les ramasser. LB. Voilà. L'icône pomme ouverte indique que tu peux lancer l'objet que tu as en main. Ok. Lance l'objet sur la vitrine. Voilà, hop, cassé. Stop it, shit brain! I pay up now. I pay up. Here's the money. I hope you and Vlad choke on it. Sure, whatever. La tête qu'il a fait. Apporte l'argent à Vlad. Ouais, bon là c'était pas un truc de dingue. Hein. Bon bah voilà, on retourne voir Vlad. Donc pour l'instant voilà, on fait surtout les missions, après on fera peut-être des trucs un peu plus pour délirer. Genre bug de la balançoire pour ceux qui s'en rappellent, ou un truc dans le genre. Je
faire des petites vidéos comme ça de temps en temps, ce sera sympa. Mais là ouais, on se concentre déjà un peu sur l'histoire, histoire d'avancer un peu, putain. La conduite est vraiment différente du 5, c'est dingue. Et comme ça, histoire de, comme je disais, d'avancer un peu, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, comme ça, ça nous permet de voir un peu ce que ça donne. Allez, on est arrivé. C'est bizarre, ah ouais, c'était un bug de texture, on voyait la porte ouverte. Hey, Yokel, you managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Ok, ça c'est fait. Allez, maintenant on va aller voir Roman, à moins que Vlad me rappelle direct. Mais ça m'étonnerait. On va essayer de pas se taper les flics pour pas devoir les semer en plus de ça. Ouais, on va aller à Roman direct. Alors là, vous voyez sur la map, on l'avait pas vu en début de game, mais là on le voit. Vous voyez, il y a des petits bonhommes bleus. C'est des personnages aléatoires, un peu comme on peut voir dans GTA V. On le fera plus tard ça aussi. Ah bah la mission qu'on on s'était arrêté l'autre fois. Hello, Roman Bellick Enterprises. No, Mr. Bellick is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. Yes. I'll tell him. Car 7, head to South Slopes. Come on, where are you, Mohammed? Hello, Roman Bellick's up. Shit, fucking battery, this is chaos! Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time, can I help? Okay, yes. Go pick up my friend little Jacob. He's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on Oneida Avenue in South Slopes. Nico, man, we should talk sometime. Oh. I'm a good listener. Whatever, man. Mohammed, what the fuck? Oh, Miss Weinstock. No, no, not you. What can I do? Allez, va chercher little Jacob. On va prendre le taxi, je suppose. Et du coup on s'est arrêté à cette mission à l'épisode précédent, j'avais complètement zappé. Bon du coup on a fait une autre mission avant, mais c'est pas bien grave, ça revient au même. Bon on sait qui sont. Ouais il est pas très loin du coup on va pas couper là. Allez strike. Et les chocs dans GTA 4 étaient vraiment plus viscéral que dans... Et beaucoup plus réaliste aussi que dans GTA 5. Les impacts on les sent. Ah il est là. Allez, Little Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Tu veux pas rentrer par là? Voilà, ce sera plus simple. Hein. All right, brother, follow that Dylan Street and shot là. Tout droit sur Dylan Street, shooter. Un shooter. Yo, Nico, the one man Roman been talking about all this time, cousin Nico, gonna help Roman take over the world and thing. I guess so. Respect. All right, all right. We're going to this spot where I need you to wait for it. See? I gotta ask you another favor too. Go for it. Can you take this piece? Hear anything bad going down? You come and help, sight? Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Realness, brother. You're my man Roman's cousin. Thanks, respect. This rascal that I rock is with my bridge and real bad man the other day. Well, I want to make peace, but John know what type of shit they might pull off. Allez, on est parti. Alright. À mon point de vue là-haut, garde la lumière. Sure. Au point d'observation. Bon, on a un premier gun. Lorsque tu peux récupérer un et l'ajouter à ton inventaire. Ok. Faut que je fasse le tour, je crois. Ah oui, voilà, c'est comme ça. C'est flèche. Je me rappelais plus en plus comment on faisait. Du coup. Ah, c'est ici.
Sélectionne l'arme de Little Jacob t'a donné. Ok, c'est bon. Accroupis-toi pour rester hors de vue. Okay. Ok, faut rester sur la position. Ah, ils arrivent. What's this? I know there's only gonna be one of you is coming. Jacob, Jacob, Jacob. We have to teach a bad man his lesson and thing. Ah. Shit, Nico, get this gun down. Ratty, someone be in the ground. Team number of them, watch out. Ok, c'est bon. Recharger, ouais, je viens de le faire. J'ai pris un peu d'avance. C'est bon, je peux descendre, je crois, non? Ah, il y en a un autre. Allez hop, descends en bas. Tombera pas plus bas. On va ramasser tout ça, d'ailleurs. Voilà, on fera des munitions. Peut-être même d'autres armes, je sais pas ce qu'ils avaient. Je pense qu'ils avaient les mêmes armes que moi. Mais bon. Oh, y'a pas de la thune aussi? Si. Ah non. Ah non, c'est des plantes. Putain. Ok, on y va. Ah bah non, c'est pas par là. On va y arriver. Désolé, mec. Désolé, mec. Voilà, c'est bon. Hop. Allez, ramène ton boule. Allez, c'est bon. Même les gunfights étaient bien sur GTA 4. Je les trouvais plus... plus intéressants, quoi. Que dans le 5. Thanks for everything. You can keep the peace. I think you know if you use it better than I do. One love. Ah bah c'est nickel ça. Hey Rasta, and I need for talk. Make we do it. On aurait eu notre premier gunfight. Enfin. Après un peu plus d'une heure de jeu. Allez, on a Roman au téléphone. Rom, I took Jacob where he wanted to go. Driving for you ain't as boring as I thought it would be. Jacob is a good man. Watching glue dry with Jacob would not be boring. Thank you, cousin. On va se ramener vers chez moi parce que je pense que Vlad il va me rappeler. Ah bah, voyez, j'ai un message. Passe me voir, Pecno, j'ai encore du boulot pour toi. Allez, c'est parti. Téléphone G, tell Jacob. Yo, Nico, walk one. All right, you know, getting by. Yo, we need your help with something, you know? Will you come on my place at Dillon Street? Sure, I was looking to branch out a bit anyway. I'll see you soon. Ah bah vous savez quoi? Changement de plan. On va retourner voir Little Jacob. Donc on se retrouve devant chez lui parce que je vais pas là. Il faut juste que je fasse. Machine arrière. Allez, on arrive devant chez lui. Concrete Jungle. Yo, what are you doing with Besta? What are you? It's Nico. Nico? Yeah, me bleached hard last night, you know. So come, yo, just hold on. What? What up, Nico? Hey. Glad to see the man, you know. Come to my man, Roman. Roman? Eh. He's okay. Eh. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll comfort to a fool, you know, Nico. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Yo, I have a deal for making, you know. You have to go down to Saratoga Avenue and Willis. Ouais, c'est parti. You mind taking this way? This herb don't do well for my Willis. Hand and my eye coordination.
Il était joyeux de nous voir. Il mène Jacob à l'immeuble. Sure you want some? I'm sure. You might not keep the windows closed. Keep the ganja in the car. Hot box, see it? So what's the deal? I'm buying some curry off a new sauce, you know? Don't know if it's all this herb, but I'm major paranoid, I don't trust them. Who arranged this deal? Some harbor shots in the crew. Bad man know them a long time, but I think them faced it. If this goes wrong, I don't know what kind of shit bad man going to lay upon them door, you know? You think this is a setup? I don't know. I've been smoking hard, you know? It fucks with my brain analytically. Make me think all type of shit. I dread it, don't trust yourself, can't trust no one else, see? You can't shake no hands when your fist be clenched. You hear me, brother? Sure, I hear you. Allez, on y est. Go around the back in case one of them try to get jumpy and run off with the ganja. Keep out of this vehicle, we might need to get out of here quick. Ok, faut que j'aille derrière. Hop. Il m'appelle. Ils avaient que d'elle, ils ont essayé de me faire. Ok. J'ai pu en rentrer, buter s'ils sortent par derrière. Voilà, ça c'est réglé. Un strike et un shot, terminé. Va chercher Little Jacob, on va aller voir si... Ah bah il a déjà despawn, putain c'est bizarre. Putain avec les améliorations il aurait pas dû despawn comme ça. Bon c'est pas grave. Allez, on retourne en arrière, ça a été vite réglé. On va juste ramasser ça. Toujours important, les munitions. Pardon. Allez, soit la poubelle. Voilà, ça a été vite réglé cette histoire. I got them. You're real bad man, in a Nico. Respect. Forward of Savannah Avenue in a middle spot. Oh, ils se déclassent, c'est 4-4. Magnifique. You're a bad boy, Nico. I don't know what I will be doing without you. But I got to get the blood class to set I up. All right. Just while I black up some more, you know, brother. Rascal, I think you can call a bad man. That fool. That dead fool. That boy is no match for I and I. He's nothing. Qu'on va. Ah oui. Ah, je me rappelle. Here we be. Are you with me, brother? Le gros bordel. I got put some road boy in the ground. Can you hurry, please? Allez, c'est parti. Come on, brother. RB. Ah, même le système de couverture était beaucoup mieux que dans le 5. Okay. Il tire dans le vide le mec. Allez hop dans la tête, rideau. Il y en a d'autres. Je sais pas où ils sont. On va retourner. Ouais ils doivent être encore là. Voilà. Bon, je vais rentrer parce qu'il me fait peur lui. Your mask, I say nothing.
Voilà, réglé. Les kits de premier secours te permettent de régénérer ta santé. Ricky, you see it? And I get them all. Yo, make a book out there. I think someone soon turn up. J'espère qu'on pourra, hop, récupérer la santé. J'espère que je peux récupérer le pompe aussi. Parfait, ça. Hop, on va ramasser là aussi. Il y avait rien d'autre à faire. Bon. Allez, on sort. Les gens, ils sont même pas étonnés. Don't mention it. It was a pleasure. I look off a bad man like how you look off a raw man. He's my cousin. Blood be the thickest band there is, you know? Quand on va trop vite, vous avez vu, les... si on passe trop vite à côté des flics, ils mettent la sirène pour nous avertir. Jacob, show that, etc, etc. You know it's logical, but I and I follow. See? That idea? Them cold stubborn man for giving a school face. Orders are sometimes hard. You must be sure you agree before you follow. I have made that mistake myself a long time ago. For real, I know you're right, you know, brother. But Batman is my bro. I follow him where there. Thanks for everything. Give this little something and say, yo, we appreciate your assistance, see? We talk to you soon. See you later. Bon, bah voilà, encore une mission sympa. Oh, il y a une moto, on va l'essayer. On va lui laisser sa voiture. Un petit tour en moto, ça fait longtemps. Wow, wow, ça fait bizarre. Ah ouais, la conduite sans moto, c'était chaud aussi. Ouh. Les sensations, c'était vraiment pas les mêmes quand même. Oh pouf! Oh, j'ai fait un plat. Oh merde, ça sonnait, je sais pas, j'ai pas vu qui c'est qui m'appelait. On va aller récupérer la moto quand même. Elle est où? Elle est là. Je vais arriver à la récupérer là. C'était tellement bien fait. Ouais. Un truc de dingue. Alors on va chez Vlad. Ah, Roman qui appelle. Nico, how you doing? You know Roman, I haven't been having that much fun since I got here. Has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. I'm sitting here with Bruce. Well, we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. The fucking stupid bastards. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help? Fuck! You can see it. Have to go. Ah, ça tourne pas sec comme dans le 5, hein, vous voyez, là, il faut vraiment anticiper pour tourner et tout en moto. Hop. Un out to dry. You're going to have your license revoked. What? My friend, smoking in a bar is a crime, plain and simple. Well, you're joking, right? This is a joke. Yeah, you're playing hey, a joke on me. Mallory, tell Fettig his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen, you did good with the business the other day. But now one more peasant is trying to avoid pain. Who? Moskovsky Jerk, who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a beating. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Marshall! Easy, wait. Buddy. Go on, do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho.
Алло, Влад говорит. Да, да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Allez, direction la Vrille, on va prendre la moto. Oula. Ah merde, c'était pas si loin que ça en fait. Allez, on est arrivé. Hop. J'ai le gun dans les mains là. Non, t'inquiète, c'est bon. No problème. I have a message from Vlad. Shit! Stay away from me! Poursuit le propriétaire. Ah, le con! On va prendre la BM. Allez, on est parti. C'est la même que la mienne en plus. Stop your van already. Oh là, j'avais les flics. You got me. You got me, c'est okay? Bon, vous m'avez eu, d'accord. Why have you not paid Vlad the money you owe him? I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to him. I thought this country was different. Ah. Oh, je vais me faire ramasser là. Oh, ma voiture, elle est où? Tu permets? Je la veux. Allez, je suis un pote à ton pote. Hop là. On va attendre le coup de téléphone. Il va arriver. Et puis sinon, on va aller tout simplement sauvegarder, puis on aura bien avancé là, pour ce troisième épisode. On a eu un peu plus d'action, on rentre un peu dans le but du sujet, j'ai envie de dire. Ça commence à être du sérieux, Roman. Nico, now that you've settled into life in Liberty City, I was wondering if you could start to help your cousin with the family business. I thought all I'd been doing since I got there was helping you out. You have, but I mean officially. I need more drivers. I'll pay you properly. Okay then. Just call me whenever you want to take a fan. You can do as many as you like, Nico. There are always more customers. Tu peux maintenant appeler Roman pour qu'il te donne du travail. Cherche Roman dans ton répertoire et c'est aussi une option de boulot. Okay. Pardon. Pardon. On fera plus tard, on a blade à faire encore. Mais. Pour cet épisode là, on va s'arrêter là les amis. Je dis, on va aller sauvegarder. On a bien avancé. On va garer le véhicule là, comme ça je l'aurai pour le prochain épisode. Hop, allez. On retourne dans le château. Dans le manoir comme il l'appelle. Ça on va. Sauvegarder.
Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 3 sur GTA 4, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si ça vous a plu, pourquoi pas dire en commentaire ce que vous en avez pensé, voilà on a eu un peu plus d'action, ça fait plaisir, et puis voilà, pourquoi pas aussi vous abonner si vous découvrez la chaîne via ce troisième épisode, à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram si ce n'est pas encore fait, vous avez tous les liens dans la description, y compris celui du crew de GTA Online, et je vous remercie de regarder la vidéo, on se retrouve très vite pour l'épisode 4 et pour d'autres vidéos sur GTA Online. Merci à tous. Ciao.